9h30, le départ est donné. Après une course d'orientation nocturne, la nuit passée, place au canoë-kayak. Ils sont plus de 200 à venir des quatre coins de la France pour tenter de remporter le titre de champion de France UNSS de Red College. Au programme, 2 jours et demi d'activité physique en pleine nature sur les communes de Saint-Vincent-sur-Jard, La Tranche-sur-Mer, Le Bernard et Longeville. Et l'esprit de compétition est bien là. Comment ça se passe pour vous pour l'instant? Pas trop bien, là. Ils arrivent juste alors qu'on était devant. Donc, là, ça va pas trop. Allez, bouge-toi là maintenant. Allez, elle est où maintenant? Allez. À quart, on poinçonne. Et c'est parti pour le trail photo. Allez. Un trail photo, puis du VTT, les épreuves s'enchaînent très vite et déjà les premières fatigues. Mais le Red College, au-delà du goût de l'effort, c'est aussi les valeurs d'entraide et les encouragements ne sont jamais très loin. Allez Julie, mets-toi debout. On peut voir sur des épreuves comme hier soir, la course d'orientation nocturne, de l'entraide, de la solidarité, ils se poussent, ils se tirent, ils s'encouragent. Et c'est formidable, et là c'est des élèves de collège, donc de 12 à 15, 16 ans. Et c'est vraiment, vraiment très, très impressionnant de voir déjà les liens qui se tissent entre eux, quoi. La succession d'efforts fait que physiquement, c'est dur. Et donc, s'il n'y a pas une aide psychologique derrière, c'est vrai qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, quoi. Pourtant, même si parfois on maudit ce sable qui accentue considérablement la difficulté du parcours, à l'arrivée de cette matinée d'épreuve, la vue sur l'océan permet en partie de se consoler. Wow, c'est dur. C'est vraiment dur, ouais. Ça n'a rien à voir avec les autres raids que j'ai pu faire. C'est du raid parce que le parcours est difficile, il est long, mais il faut gagner pour l'équipe. C'est l'heure d'une pause pique-nique bien méritée avant de se remettre en selle pour une nouvelle fois du VTT et de la course d'orientation. On s'intéresse à